Rex, tu m'ouvres le portail, s'il te plaît. Tu prends le reste? Merci, Rex. Christian? Est-ce que ça va? Oh, c'est dingue ça. Pour une fois qu'on a un jour de congé, on fait des petites courses tranquilles et voilà le résultat. Je crois que tu es assis sur le reste de la salade. Allez, relève-toi. Eh ben en tout cas, ce n'est pas le mien, je l'ai débranché. Ouais, c'est bizarre. J'avais le mien il y a encore 5 minutes. Rex, rends-moi mon portable. Alors là, tu rêves. Il veut que tu joues avec lui. Tu vas voir, je vais le retrouver. Oh non, c'est pas vrai. Oh, dégoûtant. Oui, Buck. Oh, Kunz. Et les collègues? Bah, on arrive. C'est fichu pour le jour de congé. Bon, oui, j'envoie quelqu'un te relever. Merci. Ciao. À l'école, ils ne savent pas non plus où les enfants pourraient être. Il paraît qu'ils vont chez une dame de temps en temps l'après-midi. Kunz téléphone à leurs camarades de classe. Wimmer est allé à la boîte de Barreur. Son chef l'a renvoyé chez lui aujourd'hui parce qu'il est arrivé ivre à l'entraînement de tir. On va faire surveiller les environs au cas où il déciderait d'aller y faire un tour. Tu cherches quelque chose de précis? Oui, un indice sur l'identité de la femme chez qui les enfants se rendent parfois. Ce serait trop beau, non? Oui. Y a-t-il un terrain de jeu où Cathy va jouer souvent? Ah, t'en sais rien. Oui, mais elle a certainement une copine dans la classe. T'en sais rien non plus. Bon, écoute, réfléchis encore, j'ai une autre ligne qui sonne. Je te reprends tout de suite. Bureau de Brandtner, poste de Brandtner, ici Koots. Ah, salut collègue. Un moment, tu veux, j'ai une autre ligne qui sonne. Ah, tout de suite. Bureau de Brandtner, poste de Buck, ici Koots. Ah, c'est toi qui es assise à côté de Cathy en classe? Oui, bon, alors dis-moi, est-ce que tu sais où elle aurait pu se cacher? T'en sais rien. Ouais. D'accord, bon, réfléchis encore un peu, je dois prendre une autre ligne. Je reviens. Collègue, tu m'excuses, c'est l'enfer ici. Tu peux me rappeler plus tard? Merci. Bureau de Brandtner, poste de Brandtner, ici Kunz. Les barreurs n'ont plus de famille en Haute-Autriche, seulement au Canada. Oui, c'est certain, c'est une information très importante, merci. Tu t'es souvenu de quelque chose? Non? Merci. Et toi, tu t'es souvenu de quelque chose? Toujours rien? Merci. Ici, on maigrit rien qu'en téléphonant. Bureau de Brandtner, poste de Brandtner, Kunz. Bon, tant pis. Bureau de Brandtner, poste de Kunz, ici Kunz. Oh, mais n'importe quoi. Et comment elle s'appelle? Joséphine Stix. Et elle habite au 67 des Gengas. Oui, c'est noté, je vous remercie, docteur. Tu peux continuer? Il y a peut-être d'autres chats de cette race-là dans le secteur. Oui, mais avant, je vais me prendre un café. D'accord. Ça attendra. Une camionnette blanche? Oui. Merci. Alors? Non. Pas de chance. J'ai parlé à un voisin et Madame Stix est en vacances depuis 2 semaines. Elle a laissé son chat chez une amie, mais il ignore son nom, bien sûr. Il sait où elle est partie, au moins? Non, aucune idée. Une camionnette blanche a été volée sur un parking aujourd'hui. La voiture de Barreur a été retrouvée à côté. Brandtner. Ils ont montré la photo de Barreur au journal télévisé. Du coup, depuis, ça n'arrête pas de sonner. Il y a des tas de gens qui pensent l'avoir vu, mais leurs indications sont assez vagues, à part une seule. Une femme a vu de la lumière dans une auberge fermée depuis 2 semaines. Elle a jeté un coup d'œil et elle croit avoir reconnu Barreur à l'intérieur. C'est l'auberge Le Fer à Cheval, à côté du champ de course, apparemment. Voilà, et maintenant, je vais me faire un café. La nuit risque d'être longue. Ça doit être la camionnette en question. C'est une bonne planque. À cette heure, il ne passe pratiquement plus personne. Il peut se détendre autant qu'il veut et trouver de quoi picoler sans problème. Et si jamais les enfants étaient avec lui? Oui, bon, il va falloir être prudent, mais la femme qui a téléphoné a dit que quelqu'un qu'elle ne connaissait pas était passé avec une camionnette qu'il a marché jusqu'à l'auberge, qu'il a pris quelque chose dans le coffre et il n'y avait pas d'enfant. Fritz a vérifié. Reste à savoir comment il a fait pour rentrer. Il travaille pour une société de surveillance, ça n'a pas dû être dur. Bah alors on devrait y arriver aussi. Je connais cet endroit. Là, devant nous, c'est la salle pour les clients et la cuisine est derrière le comptoir. À gauche, c'est la salle à manger. Essaie d'entrer par derrière, moi je passe par devant, d'accord? Mais fais bien attention à toi, il n'a plus rien à perdre. Ouais, je sais. Rex, doucement. Brandtner, police criminelle. Mais c'est pas lui, Barreur. Relevez-vous. Mais que faites-vous ici, exactement? Je fêtais mon anniversaire chez moi avec des copains et on n'avait plus rien à siffler, alors du coup, vous avez pénétré par effraction dans un café? Et vous tirez sur tout ce qui bouge? C'est parce qu'on m'a cambriolé et agressé il y a un mois et je me suis juré que ça n'arriverait plus jamais. Mais qui êtes-vous, au juste? Moi, je suis le proprio et il m'appartient, ce troquet. Montrez-nous vos papiers. Tenez. Brandtner. Oui, Fritz. Oui, on rentre au bureau. Espérons que cette piste-là sera la bonne.